Bonjour mesdames, bonjour monsieur, ma bonne nous passer un. Oh, nous voyons dans le week-end aujourd'hui, non? Le dia jeudi lié. 13 juillet, oh, demain c'est fête et go fête, oui, en France. C'est la prise de la Bastille. Donc c'est go fête qui en France. En salue les amis, moi, Gilberto. Oui, et nous là, nous comptons avec nous. En tout cas, et grand programme de l'actualité, on connaît l'OTAN qui a une réunion dans la ville Vilnius et dans la Lituanie. Bon, la réunion ça a fini. Bon, ça a été dit dans la réunion, pas tellement Ukraine vient censé dominer la réunion, admission Ukraine dans l'OTAN. Donc, mais bon, alliance a fini, il a fini avec. Et d'abord, dit que nous pouvons parler, nous pouvons parler, nous pouvons parler, pour accepter les, il y a des conditions pour réunir, conditions pour réunir. Mais il y a pour mettre des supports militaires et normalement la bataille avec la Russie. Et les États-Unis en tête de liste et pour aider l'Ukraine. Mais bon, et l'idée ukrainienne, les joue quand même, parce que c'est pas ça, pas le tévelé. Le ministère de l'admission a besoin de pour accélérer, on va à toute vitesse pour que le politique avance de mettre les. Et parce que, on dit les raisons que fait, alors une raison que fait expliquer, parce que là, chapitre 5 est règlement interne de l'OTAN, qui est les mains une main et toutes. Eh bien bon, et si on admet un pays qu'on y a là, va aider pour attaquer une ou attaquer, c'est tout ou attaquer, et donc tout a attaqué où. Donc, il te dit que il n'est pas capable parce que ça va le travail mettre en guerre avec la Russie, qui déjà en conflit avec l'Ukraine. Donc, en attendant la guerre finie, il a pensé et il a regardé qui il n'y a pas considéré le dossier Ukraine. Non. Et le président américain et Joe Biden, il a salué l'admission. Qui paye ça? Admission un nouveau membre. Dans l'OTAN, il est bien content. Et puis, il y a Stockholm, le gouvernement suédois lui-même qui a fait fort là pour voir s'il a rentré là. Lui-même, il a presque fini de faire toutes conditions là. Mais la barrière que le gagné qui était le problème, non, c'est la Turquie, qui est censée dire que, bon, il n'y a pas semblé qu'il y ait un problème avec ça encore. Donc, il n'y a pas un problème pour lui. La guerre pour lui qui était tombé exigence d'io, bien qu'il t'a accusé et la Suède comme pays qui a accueilli un groupe terroriste la Kali et ces groupes terroristes là sont groupes qui a gommé contre le gouvernement Ankara. Et puis l'autre point qui est en actualité là, c'est surtout visite une délégation CARICOM fait en Haïti depuis mercredi. Alors, j'ai la visite, ça s'est suivi et conférence, bien sûr, il y avait un sommet qui était à Kingston, Jamaïque, là, sous situation, sous crise là en Haïti. Et délégation, ça l'a fait suivi. Elle a rencontré le même acteur encore, c'est certainement, qui était le même acteur, ça a été signé, la même déclaration, les déclarations de Kingston. Et c'est une déclaration côté que tu prends engagement, tu demandes un nouveau changement, un nouveau gouvernement. Ils ont pratiquement un gouvernement, ils ont pouvoir, ils ont HTC avec HCT avec élargi, donc il y a 5 membres là-dedans, qui est le conseil présidentiel. Ça que le gouvernement actuel n'a pas l'étendu, ni supporté le tour, et supporté le premier ministre Ariel Henry, même demandé pour faire changement dans le gouvernement, appliquer. Et à quoi 21 décembre, que le peuple a appliqué pour qu'il forme un gouvernement et puis publier liste membre conseil électoral provisoire, justement pour avec objectif pour déboucher les élections. Mais l'autre groupe qui a signé déclaration qui sont là eux-mêmes, ils ont dit que le pays a condition pour réunir pour gagner l'élection dans le pays, mais ils n'ont pas semblé d'accord avec un gouvernement qui a bien là-dedans et premier ministre Ariel Henry, alors que supporter premier ministre Ariel Henry eux-mêmes, ils voulaient que son gouvernement a une tête, qui a bien comme chef. Premier ministre Ariel Henry. Donc, délégation de la Pocot d'Arterio, qui, avec espoir qu'il y a bougé, qu'il y a gagné une sorte de concession. Chaque parti va faire une concession dans le domaine parlé. Et sûrement pour permettre qu'il avance. Entre temps, situation sécuritaire, elle continue à avancer.
Et le gouvernement continue à porter précision que il pas abandonné, il pas jamais dit que Haïti pas pareil pour lui faire partie marché comme un Caraïbe là, ça que programme libre circulation haïtien dans CARICOM, ils sont c'était une mésinterprétation donc gouvernement à tout en travers mais ça fait étranger là, il peut des clarifications puis dit pas jamais que comme ça et que Haïti c'est même CARICOM normalement fait pour participer dans libre et libre circulation dans le pays même CARICOM. Donc c'est des discussions qui continuent à faire toujours et puis bon, président national, directeur président national a été rencontré avec une délégation de l'ONU et justement il y a des discussions sous situation sécuritaire là, mais en attendant il y a effort à faire pour dans quelle mesure que il va avancer avec la direction pour dans quelle mesure capable résoudre crise politique là et seulement pour permettre que institutions yo retourner en place. On parle de football. Hier soir, c'était pour la première fois depuis 2015, les États-Unis pas participé dans la finale et Coupe de CONCACAF là que l'habitude organisée qui est toujours déroulée aux États-Unis et c'était la grande surprise. Bon, nous toujours dit que calendrier calendrier a fait là c'est toujours avec objectif une finale entre Mexique avec États-Unis qui est capable de mener 80 000 jusqu'à 85 000 monde dans ce stade là. Mais il y a des fois la pas marché dans sens et comité organisateur donc il pas les gens étaient souhaité donc malgré tout effort que tu fait et bien équipe Panama c'est l'équipe finalement fin bagage des États-Unis que les calé sorti de pénalité 4 5 à 4 et c'est pendant pénalité de choucage là quoi une phase là les premier pénalité c'est 5-5 donc États-Unis gardien américain en fait un joueur aux États-Unis a raté pénalité en fait meilleur joueur pratiquement et puis gardien américain bloque en pénalité donc ça vient mettre l'équipe à 4 à 4 et puis il est revenu en phase de choucage là mort subit là et bien et Panama exécuté par là et joueur américain met par là dehors donc ou bien bloqué au gardien mal shooté par là donc il pas goal. Donc comme ça Panama lui-même aux anges et Panama a tourné dans la finale Coupe de CONCACAF là que pour rencontrer avec Mexique mais Mexique pas de rencontrer trop difficulté il y a deux meilleurs sur l'équipe Jamaïque là et qui ont calé 3-0 malgré il faut que Jamaïque ait été fait mais ça va marcher. Donc ça veut dire qu'il y a mon dans stade là même si puis mon cap dans stade là c'est plus Mexicain à pied mais il y a mon dans stade là mais tout match a déroulé dans Inglewood dans Californie, c'est dans zone Los Angeles, Californie, c'est la finale à la déroulé. Et c'est pour dimanche, donc pareil, nous, dimanche, c'est pour 7h30, et le pan. Donc c'est là. Non, si ma présence, bah, on est non beaucoup fin sûr que je vais aller, c'est beaucoup fin sûr. Et puis, le bas là, nouvelle concernant FIFA. Et bien FIFA, mes amis, FIFA a dépensé 209 millions de dollars par tout club qui était un joueur par yo, qui jouait par, qui était représenté, qui était, et tout club qui était un joueur qui était représenté pays dans la Coupe du Monde Qatar. 209 millions de dollars. En tout cas, champion en titre et Ligue Football Anglais, on a parlé de Manchester City. C'est lui-même qui prend Mayol là. Il a même gagné 4 596 445 dollars qu'il a gagné lui-même. Donc, ouais, club là travaille tout, club là, et pas seulement il forme les joueurs, il prépare les joueurs tout, mais je lui fais jouer en forme, il y a des joueurs là. Et FIFA comprend ça, FIFA balle comme tout pour investir, comme les balles. Et bien, en deuxième, non, c'est club Barcelone. FC Barcelone, il y a même qui a pris un poché. 4 538 955 dollars que FIFA bail club ça qui était gain joueur à cause de gain joueur qui était joué dans pays qui était représenté pays yo dans coupe du monde alors tu gain un total et gain environ près de 440 clubs qui était gain joueur 440 clubs sur planète là tu gain joueur qui était représenté et 32 pays qui étaient dans la Coupe du monde là donc 440 clubs et puis tu gain au total 51 pays donc 440 clubs yo et puis joueurs étaient sortis dans 51 pays et donc nous imaginons et comme ça pour aider en pile pays pour yo capable continuer de développer le football là donc on comprend ça veut dire
Et puis FIFA baille tout chaque joueur qui te joue dans la Coupe du Monde, dans quelque soit quantité de minutes que tu joues. Quelque soit quantité de minutes que tu joues. Même si tu étais monté dans la deuxième mi-temps, ou bien pendant la prolongation, ou monté dans la fin de match, ou joué pendant l'arrêt de jeu, si on 3 minutes, tu joues, ou 5 minutes, eh bien, on va recevoir 10 950 dollars. Avec on peut mettre dans la poche pour aller boire, ou on peut mettre dans la poche pour acheter pistache, acheter fresco, ou on a dit qu'on peut. Chaque jeu, ça va recevoir 10 000, et cela pour chaque match, et selon ça, pour chaque match. Il y a 837 joueurs qui ont bénéficié de l'agent. Et donc, sans augmentation. Donc, nous voyons que les gens que FIFA lui-même, ils dépensent l'argent que lui fait à travers match, à travers sponsor, et tout les gens que, tout le moyen que FIFA fait pour utiliser l'argent. Et c'est comme ça que le point. Puis, rappelez-nous que, quelle que soit la fédération football qui est membre FIFA, eh bien, ils ont tout considéré les Brésil qui sont une confédération, l'Allemagne qui sont une confédération, eh bien, ils ont tous reçu la même assistance que FIFA baille, petite fédération, petit pays. Donc, même comme là. On croit que c'était 250 000 dollars qui ont été baillés chaque année pour préparer, pour servir, pour fonctionnement, frais de fonctionnement, pour être baillés. Eh bien, FIFA est comme ça. Les sorties dans même l'agence. Donc, FIFA n'a pas comme la poule. Parce que son organisation, c'est club formel, c'est pays formel, c'est match qui fait le club. Mais il n'y comme encore les distribuer le bail. Si le pays qui n'a pas les moyens, il y a même l'agence pour payer le loyer et payer le bail. Ça faire des dépenses qui sont nécessaires, qui ont besoin, participer dans le voyage, aller dans la conférence, aller dans le bail. Voilà. Donc rendez-vous qui était là Kounia là pratiquement c'est Coupe de CONCACAF la finale là et a gagné Mexique pratiquement et c'est lui qui kembe mal là mais avec États-Unis c'est 8-7 Canada a remporté Youn de sa 16e édition donc 17e édition nous pas c'est Mexique qui va caler Panama nous va connait après tout monde entend pour nous voir qui vient ça va le passer mais jusqu'à présent c'était toujours les États-Unis avec Mexique qui dominait Coupe d'Or CONCACAF là et puis bon après match ça a fini à partir de septembre nous pas rentrer dans l'autre match dans l'autre et nous pas rentrer dans la ligue et le pays CONCACAF là qui parle championnat va le dérouler qu'il y a pas l'autre championnat qu'il y a là et c'est soit été dans groupe où il y a ou bien on descend ou on monte dans l'autre groupe. Sous dans le groupe A ou A, tout était. Donc, on a Haïti dans le groupe B, dans la Ligue A. Donc, Haïti a un gros morceau dans le monde, un gros morceau que les Jamaïques, et pour le rencontrer. Donc, voilà, c'est comme sa situation est présentée pour qu'on y ait là. Moi, je crois que je nous passer un très bon après-midi. La Vadamique a préparé pour nous une émission spéciale sur la Coupe du monde football féminin, hein, et qui a commencé le 20 juillet pour finir le 20 août, donc ça veut dire une grande pile programme pendant les vacances là. Donc avant d'amener en tout cas, on a déplacé, il y a voyé des mondes sur place pour se valer avec Gentil, qui oblige Gentil face ça avec Valéo, pour capable faire une bonne couverture de tout ça qui a passé, et surtout par la sélection football haïtienne, qui pratiquement pas de mauvaises nouvelles jusqu'à présent. Et concernant un joueur qui est blessé, pas un gros, un joueur qui est contre quelque chose, mais il n'est pas vraiment affecté. Et la cohorte, la quantité de joueurs qui ont eu, parce qu'il y a assez répondants pour aborder. Mais selon ça, un responsable dit, et bien, il dit que l'équipe est très confiante et il paraît pour faire surprise. Pour faire surprise, mais il dit qu'il ne va pas aller avec main au BC. Comme si chaque rencontre par le Real perdu, au moins il y a une garantie 3 matchs. Quelque chose, il y a une garantie 3 matchs. Donc il dit qu'il va le dégager pour eux. Si à partir de 3 matchs, il est capable au moins de remporter 2 victoires, puis il est capable de traverser la phase de choucage. Je rappelle pour une équipe championne en compétition, on a besoin de 6 victoires. Et on a besoin de perdre un match seulement et un match ça doit perdre dans la phase de groupe. Là. Côté qu'on doit finir deuxième pour Pipiti. Parce que l'autre chose de gauche là, c'est ou perdu à la caille ou gain ou été. Donc c'est comme ça est. Et parce que salut nous, on a encore plus tard et Jacqueline toujours dans la caille là. Et tout le monde là pratiquement. OK?
Bye bye, n'a pas aller.